C'est chelou ça. Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vous retrouve avec ma fille Nikki. Ça va les gars? Ça va très bien. Nico, hashtag Nico Recherche. On connaît très bien. Jules Hazard, hashtag chanteur. Et aujourd'hui en fait, j'avais trop envie de tester avec les garçons des produits coréens. Alors vous avez quoi les gars? Bah moi j'ai une sorte de galette de chocolat. Et bizarre. Moi j'ai le truc le moins coréen du monde parce qu'on dirait totalement des cacahuètes en fait. Déjà faut que j'aille essayer ça ouvrir. Déjà les emballages ne sont pas normaux, déjà faut pas les ouvrir. Non mais t'abuses. Pour ceux qui arrivent sur la vidéo et qui ne comprennent pas c'est quoi le hashtag Nico Recherche, je vous invite à regarder dans la barre d'infos. Les gars, Jules il est curieux. Non, mais ça fait 2 minutes qu'il ouvre. Attends. Non parce que c'est très bizarre. Alors je vous précise que j'ai eu tout ceci en fait quand j'ai été me faire maquiller pour Shu Emura. Pour attendre pendant le maquillage. Il y avait de la gaufrette au poisson. Yeah. Non. Alors? Poisson, pas poisson? Gaufrette au chocolat. Oh bah c'est normal. On commence bon. On passe à truc chelou tropical, je pense que ça te vient. Je vois pas du tout à quoi ça peut ressembler genre. Ouais, mais je pense que c'est du chewing-gum, non? Ah non, j'espère pas. Attends. T'as senti en Corée? Sens, mais fallait sentir avant, faut toujours sentir l'odorat. Ah ouais, j'ai... On sent ce qu'on mange. C'est un chewing-gum alors? Ouais. Non mais attends, est-ce que ça genre c'est vraiment du chewing-gum ou c'est un bonbon? Je vais être malade. Tu sais, hein, tu sais comment on dit chewing-gum en coréen? Mais ça va durer, mais ça va être 10 ans dans ton corps. Ah oui, il y a marqué chewing-gum. Un chewing-gum ça va être 10 ans à sortir. Entre 5 et 10 ans. Il y a marqué chewing-gum. Je crois. Sérieux? Ça se trouve, je dis une grosse connerie. Mais Warrior, on a besoin de vous, s'il vous plaît. Dites-nous si ça c'est du chewing-gum ou pas du chewing-gum. Mais tu crois qu'ils savent dire le coréen? Bah peut-être. Ouais, je sais pas si c'est du coréen. Attends, peut-être c'est du coréen, ça c'est du chinois. Si on peut trouver une fille avec la main, on peut trouver. C'est vrai. Une fille qui parle coréen. C'est vrai. Un garçon. Compte sur vous. Alors, le truc le plus chelou du monde. Attends. Bon, j'avoue, c'est un petit truc orange, on sait pas trop ce que c'est. Mais là, il y a genre le truc qui ressemble le plus à une cacahuète. Et là, ça ressemble à une banane, là. Mais. Qui ça a l'air d'être une cacahuète? Évidemment, c'est une cacahuète. Non, ça. Je m'attendais pas à ce truc. Non, si, c'est un goût de gâteau apéritif, mais genre. Il y a un arrière-goût plus prononcé. Moutarde. Waouh! Oh, ça pique! Ça pique tout! Moi, j'adore quand ça pique, mais là. Hein. Alors, Nico? C'est pas du wasabi? Oui. Ah, c'est ça. C'est grave du wasabi? Voilà. Attends, je vais en reprendre. Nico, Nico Sushi? Après Nico Recherche, ça va être Nico Custo. Là, on va faire le truc qui ressemble un peu, parce que c'est du chocolat et de la fève. Allez, vas-y. Ouais, ça ressemble un peu. Je tiens à dire que quand même, j'ai réussi à vous vendre mon produit alors que vous, vous avez ouais. Le chewing-gum, personne. Et moi, ma gaufre au chocolat, c'était une gaufre normale. Ouais. Ça, c'était du wasabi. Ouais, mais c'est stylé. Eh, ça a l'air mou de ouf. Ça s'est écrasé sur tes dents. C'est mou de ouf. C'est un putain de chewing-gum au chocolat, mec. C'est un chewing-gum? Encore un chewing-gum? L'intérieur? Ah, mais oui, ça sent. En fait, non, en fait. Non, je l'explique. Ça sent de ouf. En fait, là, c'est du chocolat. C'est ouais. Pas du chewing-gum. Et dedans? Et dedans, c'est du chewing-gum. Ça, c'est bizarre. Un peu de chewing-gum à l'ananas, c'est un truc bizarre. Ouais, parce que ça sent de ouf le chewing-gum là. Trop bizarre parce que tu dois avaler le chocolat, mais pas le chewing-gum, tu vois. Ouais, tu risques de faire une émission sinon. Donc, nous continuons notre dégustation de produits coréens. Donc, il reste plus que 2 produits. Et je compte sur vous dans les commentaires pour nous dire si vous auriez testé ou pas. C'est des lettres en quelle langue ça? C'est un O, un T, un O, un I. Oi, toi, quoi? Oi, toi, il faudrait qu'on trouve quelqu'un qui puisse. Parler de coréen. Ça a l'air d'aller, hein. Bah, ça, il est je sais pas si c'est un chewing-gum ou un bonbon. Genre, c'est quand même bonbon créma, hein. Ouais, voilà. Et le goût, c'est genre. Pomme, je pense. Et pas encore mort. C'est un peu pomme. Eh bien, le meilleur pour la fin. On vous a gardé l'emballage avec le petit bonhomme note genre Pikachu. Il a l'air trop bon ce truc, j'ai trop hâte. Ah. Tu goûtes la première, c'est... Ah ouais, non mais... C'est si fait et qu'on est là en train de suffire. Putain, mais c'est des capotes. Mais non. Ah, c'est chelou. Ah mais attends, il y a un petit coup... Et une petite cuillère. Alors ça se présente comme ça? Ouais, c'est des capotes. Ouais, il y a une notice. Faut mettre de l'eau. C'est de coréen. T'es sûr? Je te jure. Ah ouais, non mais là on va en chier un peu. Regarde. En plus, c'est des indices en coréen, c'est des indications en coréen. Il faut que ce soit le petit dessin. Mais putain, il y a un truc avec un 1. Moi, on dirait une putain de capote. C'est lui. Regarde. Il faut mettre d'abord. C'est une putain de capote de ouf. Avec de l'eau. Bah, c'est ainsi. Et là, il y a une capote aux fruits, à la fraise. Ah non, c'est pas de l'eau. Et là, il y a une capote au citron. Mais non. Vous avez le choix. N'importe quoi. Mais c'est quoi? Pour ce soir, sortez couvert. Oh, il y a un petit bonhomme, regarde. Ah, j'avoue. Attends,
te montre la caméra. À l'envers, c'est mieux, on voit mieux à l'envers. Je sais pas si vous voyez le petit bonhomme. C'est beau. Hashtag instant fun. Et on est une de ces teams. Faudrait qu'on trouve un nom à notre team. Comment on pourrait s'appeler? Je sais pas. La team de Warrior. Autre chose. Jean-Michel original. Bon, sur ce, on commence. Alors, je vais commencer par le premier sachet. Juste, alors, c'est pas comme du tout ça. Un chewing-gum, en fait, c'est un bonbon. Ah ouais? Ouais, mais tu t'en rends compte au bout de 20 minutes. C'était la petite aparté. Bon, allez, premier sachet. C'est super chimique. Ah ouais, c'est du smecta de ouf. Mais fallait pas mettre de l'eau avant? Non, faut mettre après, et après faut... Genre, il y a de la poussière après, qui... Après, il y a la cuillère. On va attraper un putain de cancer de la gorge avec ça. Attends, je vais goûter, genre. Ah, j'avoue, ça va rentrer dans une narine. Un cancer de la gorge. Ah, la vache. Attends, on dirait de la coke. C'est du citron, quoi. Tout est bien. C'est chelou. C'est du citron, non? Eh, c'est chelou, je vous jure, je sais pas qui... En fait, je me suis dit que c'est moi qui allais goûter, mais j'ai même plus envie. Non, c'est toi qui goûte, là, hein, c'est ta corps ouvert. Eh, mais franchement... Eh, c'est du smecta de ouf. On dirait... J'ai peur. Non, mais ça se mange pas encore, faut rajouter des trucs. Non, il y a des trucs à mettre. Ouais. C'est horrible l'odeur. Non, moi j'aime pas l'odeur. Ah, mais sur le côté là. Non, mais. On dirait un putain de jaune d'œuf. Faut touiller le 2 et ça va gonfler. On dirait jaune d'œuf. Faut mettre le 2 et ça va gonfler. Oh, c'est chelou les gars. Regarde, vraiment on dirait un jaune. Le 2. Eh, c'est devenu solide. Oh là là. Mais ça tue encore. Ça fait comme genre des blancs d'œufs. Genre, si tu touilles, ça monte. Ah si, mais regarde, ça tue de ouf, regarde. C'est du blanc d'œuf limite. Mais t'en mets sur le côté partout. C'est pas grave, on s'en fout. Eh, mais c'est lourd. Ah ouais, c'est énorme! Mais en vrai, t'as plus envie de le manger une fois que t'as préparé ça, c'est trop long. Enfin, franchement, quand tu vois le résultat final, tu te dis, vas-y, ça a l'air trop bien. Ouais, et mais... quand tu vois la préparation, c'est chaud. Oh, t'as mis partout sur le côté! Ah, ah, c'est la place du 3! Mais oui! Ah merde! T'inquiète là! Attends! Oh, putain, c'est fou! Ça a l'air d'être dégueulasse, hein, je vous le dis. Bizarre. Le 3 pourquoi est là. Oh, là oh là. Alors, j'espère qu'on voit bien la caméra, mais Warrior, c'est super chelou. En fait, c'est devenu vraiment. Ouais, c'est. Voilà. Et donc là, je vais en prendre un peu. Je prends. Ça a je mets dedans. Ça a quand même eu trois aspects en moins de 1 minute. Ah ouais, c'est chou. Ça rend ça. Allez. Oh ah. Ça a quel goût d'après vous, les petites pastilles là? Je t'en fiche. Oh là là. Mais t'as tout mis dedans. Ah, oh, c'est pas grave. Y'a pas un peu, de pastilles pour le liquide? J'aurais pas eu. J'aurais eu des auvergnes moi à ta place. J'aurais pas pris. C'est pas bon? C'est chelou. Oui, ça a l'air. On peut le dire. Mais non, non. Mais non, les gars. Tu vois? Genre, les dents, je suis chaud. Eh, mais ça a une odeur. Le bruit. Ça fait du bruit? Ah, j'ai mes gants. Ah, putain. Tes gants? C'est la première boucle qui fait du bruit. C'est bon ou pas? Je me sens peu à mon aise. Allez, 1, 2, 3. Et la vie, tiens! Je me sens pas bien! Mais je pleure! Pourquoi je fais? Je m'attendais pas! C'est quoi? On dirait de bouffer de la mousse à raser! Mais là, j'ai du dentifrice! Mais dis-moi, s'il te plaît! Mais attends, mais c'est du. Putain, c'est des cailloux le truc! Ouais! Mais moi, j'ai plus de boule, moi! Vas-y, reste là! Eh, c'est trop bizarre, mais Warrior, je vous jure! Ah ouais, là-bas, maintenant que j'ai pas vu ça! Ça sent une pute. Ça sent la putain de mousse à raser! Là, ça passe en vrai. Allez, vas-y. Moi, j'ai pas réfléchi. J'ai fait comme ça direct, genre en mode Warrior. Ouais, mais toi, t'es quelqu'un de. Allez, Warrior. T'es quelqu'un de couillu un peu, toi. Moi, quand on me connaît, on sait que je suis pas couillu, tu vois. Je pense que tu peux pas faire partie de la team des Warriors, du coup. Allez, vas-y, vas-y. Allez, go. Avant, tu manges ça dans les 2 secondes. 1, 2. Oh, il est wow. Alors, t'as pas trop le truc dur, toi. La texture, pas eu elle est dans le futur. C'est chelou. En fait, c'est un goût que je connais. Ah ouais? Putain, mais tu l'as déjà mangé le truc? Mais il a mangé que la mousse lui. Attends, je te cherche les boules. Non, il n'y a plus de boules. Non, mais attends, j'ai 3 boules. Non, mais franchement, faut les. Eh non, faut arrêter de me refaire bouffer. Non, mais genre, il faut. Mange ça au moins. Et qui est-ce que je demandais? On essaie ça? Vas-y. Toi, essaie toi. Ah non. Non, mais en vrai, c'est pas dégueu. Non, je pense que ça peut le faire. C'est pas dégueu, mais ça donne pas envie de reprendre. Bon, si on est des Warriors, il faut qu'on prenne des trucs comme ça on finit. Parce que c'est pas bien de gâcher la nourriture. On peut appeler ça de la nourriture. Pourquoi j'ai dit ça? Ok, allez. Putain, mais regarde, c'est. Non, ça tient goûte, quoi? Genre, ça tient. Non, moi, je dirais vraiment du fluor. Hein. Putain, mais regarde, c'est du plastique. C'est chelou. Ok. Mais on a peut-être mal préparé aussi. On a peut-être mis trop d'eau. On a peut-être pas assez touillé et trop d'eau, peut-être. Non, mais c'est toi qui étais responsable de la touille. C'est toi le touilleur de l'équipe. Non, c'est pas bon.
Regarde. Il restait des bouts. C'est ni fait ni à faire, c'est mal touillé ça. C'est ni fait ni à faire ni à refaire d'ailleurs. Bon, sur ce. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Que le truc au wasabi, c'est les meilleurs. Que ouais, la palme du meilleur produit. Non, et la gaufrette. Non, la gaufrette, bah, c'est la gaufrette. C'est de la gaufrette au chocolat. Franchement, en tout cas, moi ce que je trouve, c'est que les emballages coréens sont vraiment super jolis. Mais je trouve qu'ils sont vraiment fake par rapport à ce que c'est. Ils en font trop en fait, alors que c'est un truc normal, tu vois. Ouais, c'est mais c'est mignon. Bah, vous nous direz dans les commentaires si vous trouvez ça mignon ou pas. Oh, c'est trop bon. Aussi, si vous aussi vous avez testé, si vous avez testé des produits coréens, bah voilà, de nous dire qu'est-ce que vous avez testé et pourquoi pas, et vous pourriez revenir pour d'autres dégustations. Hein. Bah, si vous voulez qu'on teste d'autres types de produits, bah dites-le dans les commentaires, comme ça on commandera sur le net et genre on vous fera des dégustations de temps en temps. On pourrait faire une dégustation par mois. Hein. Vas-y, et on verra si Nico il a toujours des ovaires. Et on verra, ouais. S'il y a encore des story time à raconter entre temps. Ouais, grave, entre temps donc. Cette fois ça sera pas au McDo, mais au Quick. Okay. Classe débordante. Bon bah voilà, bah on vous fait un gros bisou et on vous dit à très vite. Ciao, ciao.